Eh, mais c'est qu'on est au-dessus de cette cheminée. Eh. Eh. Ah! Oh, je ne crains pas la douleur. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sky Factory. Eh oui. Ouhou, on est heureux. Et regardez-moi ça. Hop là, j'ai tout changé. J'ai enlevé ces deux merdes là ici qui gâchaient la vue. J'ai mis les 10 capacitors, ce qui me fait 250 millions. Waouh, magnifique! Ou peut-être un peu plus, je sais pas. Tac, 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 ouais, c'est ça, 250 millions. Et donc on est relativement bien, hein, c'est monté assez rapidement aussi. Et aujourd'hui, eh ben, on va continuer l'amélioration de l'automatisation, en fait, de tout ça. Bonjour Aloy Smelter, je vais devoir te faire un copain aussi. Bref, alors comment on va s'y prendre? En fait, on va planter des Yellow Red Seeds, hein, donc grâce à Magical Crops. Alors je vais pour l'instant pas mettre tout ça, parce que il va falloir que je vois un peu comment on va faire. Oui. Alors pour ça, il va me falloir... Hop, pas du tout. Il va me falloir un harvester. Alors à quoi sert cette machine? Bah tout simplement en fait, hein, cette machine sert, elle est facile à crafter hein, d'ailleurs, et elle sert à planter, et pas du tout, du coup c'est l'inverse, elle sert à enlever les ingrédients d'une plantation. Donc il me faut de la stone et du plastic shield, tout ça j'ai. On va aller faire tout ça, allez hop, on va faire tous les matériaux que j'ai besoin. J'ai tout dans mon inventaire pour aller plus vite. Hop, hop, hop. Et j'ai pas tout dans mon inventaire pour aller plus vite. Ah bah oui, c'est parce qu'il me faut ça d'abord. Tac. Hop, nous en avons 3. Grâce à ça, on va pouvoir faire l'harvester. Toujours pas. Qu'est-ce qu'il me manque? Plastique, shears. Bah j'ai tout. Bon, on va le faire à la main. Hop. Les shears. Et le plastique. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi ça voulait pas. C'est pas grave. Couplé au harvester, hein, donc c'est bien de pouvoir enlever les plantations, mais il faut aussi pouvoir les replanter. Et pour ça, on va utiliser un planteur. Eh oui, planteur. Ah bien, c'est bien le moment de faire des travaux, tiens. Des planteurs, donc j'ai tout, hein, deux flower pots, un piston, du plastique et la factory machine block que j'en ai fait deux. Et le troisième, je vais même pas en avoir besoin, donc avec notre collection de Iron Bar. Donc on va planter tout ça. Hop, je vais garder ça sur moi. Regardez, c'est beau, c'est multicolore, il y a plein de couleurs. Oui, il est trop bien, c'est cool. On va le planter donc par ici. On va faire un petit champ. Donc on va planter ça. Il faut qu'il y ait de l'énergie qui passe. Hop, 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 hop. Et je pense que je vais le faire ici. Voilà, je vais fermer ça. Hop, hop, hop. Est-ce que je me suis pas trompé? Ok, ça bug. Non, c'est bon, je me suis pas trompé. On le monte juste d'un parce que sinon ça va pas le faire. Et on va poser notre harvester ici. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, l'investisseur, en fait, ne fait que du... je ne sais pas, du 3 par 3, je crois. Je sais plus. Et mais on peut augmenter sa taille par un upgrade. Ici, par exemple, moi, je vais utiliser le... Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Très bien, c'est cool ça. Hop, 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 c'est pas là, c'est ça, voilà. Ouais, bah upgrade. Ok, très bien, merci. Upgrade. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs upgrades. Donc l'upgrade en cobble qui enlève un de radius. C'est cool, hein? C'est génial. Le lapis qui donne 1. Le tin qui donne 2. L'iron 3, 4. Enfin tout ça c'est en plus, hein? Silver, gold, quartz, diamond, platinum et après émeraude. Mais nous, on nous aurons besoin que du tin. Et évidemment, je regarde l'iron. Donc, qui se fait assez facilement. Voilà, du tin, du raw plastique.
et un gold nugget avec de la redstone. Mais ça, pour l'instant, on va pas le faire, on va le faire après. Alors, pour voir combien de place, enfin, combien ça utilise, sur quelle surface la machine fonctionne, on va avoir besoin d'un hammer spécial, donc de Might Factory, qui se trouve être celui-là, la Precision Sledgehammer, qui se fait tout simplement avec des sticks et du plastic sheet. Donc on va faire ça, hop hop hop, allez, tac tac tac, voilà. Bon, je vais pas le faire, je suis feignant, mais pas à ce point, faut pas déconner. Donc du stick, hop, du plastic sheet, et nous avons notre précision hammer qui va nous permettre donc de voir tout l'étendue. Ouais, alors c'est pas comme ça. C'est de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Oh! Mais ça va pas, non? Tu crois pas que je suis en train de travailler? Dégage! Non, mais oh. Je te jure. Donc c'est de l'autre côté, hein. C'est pas de ce côté, évidemment. Hop, on récupère. Non! Oh, le fail! C'est pas grave, je vais en refaire, hein. Oh, je suis deg! Bah, du coup, je vais avoir besoin du... Ah non, je veux pas le tourner. Je vais avoir besoin du troisième. Où c'est que je l'ai posé? Je l'ai posé là. Hop. Voilà. Harvester. Ah, pas Harvester. Harvester, merci. Voilà. Voilà. Et j'ai pas de shears. C'est pas grave, on va le faire. Donc, hop, hop, hop. Comme ça. Tac. Le Mine Factory ici, ça ici, le plastic sheet comme ça, et nous avons notre harvester. Je ne sais plus c'est dans quel sens. Est-ce que c'est dans ce sens ou c'est dans l'autre? Je me rappelle plus. Si je mets dans ce sens. Ouais, je crois que c'est comme ça. Hein. Voilà. Oui, c'est comme ça. Alors je sais pas pourquoi il y a ça. Tiens, c'est bizarre. Pas censé y avoir ça. Hein. Bla bla bla. Du coup, ça fait 3 sur 3, voilà, comme je l'avais dit au début. Hein. Et en rajoutant le tin, on aura une surface un peu plus grande. Donc, on va agrandir la surface ici. Donc, 1, 2, 3. Voilà. 3 sur 3. Et on va agrandir avec le tin, ça va faire plus 2 de chaque côté. Donc, hop, hop. Hop là. Voilà. Donc, le tin sera... De 7 sur 7. Parfait. Et c'est largement suffisant hein, pour ce qu'on va en faire. Voilà. On va placer en dessous. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai essayé de partir. Alors comment je vais placer ça? Je vais essayer de le placer bien comme il faut au milieu. Donc le milieu c'est ici. C'est là le milieu. Hein. Voilà. On place le planteur ici. Donc normalement, voilà. Le planteur fait la même taille que le harvester. Et c'est là qu'on va avoir besoin du tin upgrade. Avant, on va juste avoir besoin d'un petit truc en plus. Est-ce que j'ai du bois? J'ai pas de bois. Comment ça, j'ai pas de bois? Ah ben bravo. Je prépare pas le bois. Très bien. Je vais chercher du bois. Hop, hop, hop. Plutôt des sticks, hein, s'il y en a. Hop, j'ai pas de sticks. Si, j'ai des sticks. Là, j'ai des sticks. Bravo. Magnifique. Donc, hop, on fait... Pourquoi je fais ça, hein? C'est juste pour faire... Juste pour faire ça. Voilà, très bien. Donc, la houe est prête. Il va me falloir un seau d'eau aussi, que je n'ai pas, évidemment. Voilà, je perds du temps, bravo. Je suis pas doué pour préparer les épisodes en avance. Hein. Hop là. Allez. Hey, j'ai pas de seau! Non! C'est pas grave, je sais où j'en ai. Ah! Ah! Non. Ici. Ouais, magnifique. Hop, on prend de l'eau. Voilà, parce que je vais devoir évidemment mettre de l'eau là-bas.
Eh ben oui, évidemment. Où y a un zombie? Où te caches-tu? Ha ha! Je te vois! Oh! Moi, je l'aurais bien gardé pour en faire un villageois, mais bon, c'est pas grave. Je me serais senti un peu, peut-être un peu moins seul. Du coup, bon, on va le poser là en attendant. Ici, là. Au milieu, tant qu'à faire. Voilà. Ouais, mais non. 1, 2, 3, 4, 5, évidemment, ça va pas allumer, c'est pas grave. Ça va pas assez loin. Voilà. Donc ici, nous allons planter nos yellowrites. On va le faire maintenant, comme ça sera fait. Tac, tac, tac. Aïe, aïe, aïe. Non, 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 ne me faites pas de mal. J'y suis, vos copains. Ah, j'en ai pas fait assez, tiens. Je pensais vraiment en avoir fait assez. Bon, c'est pas grave. Alors, maintenant, on va faire le tin upgrade. Donc, upgrade. C'est celui-là. Le tin upgrade, donc ça se fait avec du roplastique, de la redstone, gold nuggets et du tin. Allez, on va prendre tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le gold nugget, très bien. De la redstone, très bien. Le roplastique, très bien. Et il me manque, qu'est-ce qu'il me manque? Le tin. On va aller chercher ça. Hop là, c'est ici. Ouais, j'en ai pas beaucoup, hein, 12. Allez. Donc normalement j'ai tout pour faire le tin upgrade. Hop. Voilà, je peux en faire 4, mais 2 ça me suffit largement. Tac, 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 merci. On va les mettre sur le harvester. Ah, donc ça, ah oui, on peut changer la place, d'accord. Très bien. On le met un upgrade ici, un upgrade en dessous. Voilà. Et donc là, si vous regardez, voilà, ça fait la totalité. Et je crois que je me suis trompé. Donc déjà, je peux rajouter une colonne, très bien. Bon, je vais récupérer l'eau, je ne vais pas la mettre ici, je vais la mettre plus au milieu. Ça recouvrera tout au moins. Donc normalement, là, comme ça devrait le faire. Ah non, encore un! Ah bon? D'accord. Je remplirai. Bon, j'ai pas assez de terre, j'en ferai tout après. C'est pas très grave. Pour l'instant, ça suffit largement. On va juste faire au milieu. Du coup, c'est 3. Ouais, 6. Ouais, si tu veux. Hop. Voilà, je vais juste casser là. Donc, le harvester, j'aurais dû le mettre ici. On va aller le chercher. Ah non, je ne veux pas tomber! Non! Je récupère juste ça. Est-ce que je peux le récupérer comme ça? Voilà, c'est bon, nickel. Hop, je repose ça pour pouvoir le poser. Tac, tac. Il est là. Avec mon seau d'eau tranquillement ici. Et mince, je ne me rappelle plus c'est où. Voilà. Donc, 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Parfait. Donc le tin ici. Voilà. On casse raté. Ça là. Aïe aïe aïe. On met l'eau ici parce que nous pouvons mettre l'eau. Hein, ça gêne pas. Voilà. Et au moins je peux recouvrir la totalité. Et tac. Voilà. Parfait. Alors maintenant, nous allons brancher tout ça parce que évidemment, le harvester et le planteur nécessitent de l'électricité. Donc bah, pour l'instant,
Rien de compliqué. Tac. Le harvester est déjà branché. Le planteur est déjà branché maintenant. Néanmoins, il va nous falloir, hop, des items conduites pour que quand le harvester enlève les plantes, il puisse donner les graines au planteur. Donc normalement, on peut les mettre ensemble, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Ce qu'il y a de bien avec les conduites d'Under.io, c'est que ça s'allie pour en faire qu'un seul. Du coup, ça prend pas trop de place. Alors là, par contre, on va, hop, si j'y arrive, voilà. Extract sans redstone. Et nous allons mettre un basic filter, voilà, avec les yellowrites. Et en soi, non, c'est pas ça. C'est pas ici qu'il faut que je le mette, le basic filter. C'est plus ici. Voilà. Donc, insert le basic filter et bah, avec la yellowrite, c'est bon, c'est nickel. Donc tout ça, j'en ai vu dans les autres épisodes, hein, si vous vous souvenez. Ça date d'un petit peu, les basic filters, mais c'est toujours d'actualité. Donc nous avons branché tout ça. Et maintenant, une fois que ça va couler, une fois que ça va pousser, eh ben, le harvester va, voilà, va fonctionner et va nous enlever tout ça. On va voir, on va aller voir ça. Je vais prendre le watering can, si je le trouve, évidemment. Toujours planqué, c'est merde. Hein. Toujours en bordel. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? Non, non, tu déconnes là. C'est pas ici. Et c'est pas ici. Ah, il est là. Parfait. Donc on va pouvoir voir comment ça marche. Hein, du coup. Putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui, tiens. Eh oui, il fallait que ça arrive pendant que je tourne une vidéo. Donc regardez, bon là ça va pousser, ça va mettre son temps, hein. Tranquillement, tranquillement, mais ça pousse. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. On va se pousser d'ailleurs, comme ça on va voir l'objet tomber. Donc on va aller pousse. Voilà, bon, c'est pas mouillé. Voilà, ici ça a poussé. Donc vous pouvez voir que celui-là est bien poussé correctement. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va arriver. Et hop là, c'est détruit. Vous voyez que ici, il a rejeté la yellowrite essence. Et on va attendre un petit peu. Ah non, il a replanté ici. Bravo. Bon, en soi, regardez. On va poser les deux yellowrites comme ça. Et là, il en a planté un ici. Et il en a planté un ici aussi. Bon, il fait ce qu'il veut, hein. Il les plante où il veut, le gars. Il y a un trou ici. Le mec, on voit qu'il est pas maniaque, hein, putain. Moi, ça m'énerve, ça. Bref, donc du coup, vous voyez que ici, les yellowrites essence sortent du harvester. Et c'est pour ça qu'on va devoir les relier parce que. Évidemment, on va le relier à quelque chose qui va permettre de crafter de la yellowrite automatiquement. Donc, on va utiliser le crafter de Under.io. Et pour ça, il va nous falloir un Z-Logic Controller. Donc, le Slit Sand Splice. C'est une autre machine encore. Hein. Voilà. Alors, le Slit Sand Splice, c'est très dur à dire hein, d'ailleurs. Comment se fait-il? Eh ben, il se fait tout simplement avec du solarium. Tout simplement. Et comment ça, vous savez pas ce que c'est? Ben, c'est de. Ouais, aussi, moi je sais. Ah ouais, de la soul sand et du gold. Donc, de la soul sand et du gold fondu dans l'alloy smelter. Donc, hop, est-ce que j'ai tout ça? J'ai le gold, j'ai la soul sand, c'est parfait. Bon, on va laisser fondre pour l'instant. Et à part ça, il va me falloir un machine châssis, des shears, une iron axe et une tête. Donc la tête, je l'ai ici, hein, ça ira. Je l'ai pris directement de ma ferme à mob. Alors, il va me falloir une hache. Donc, hop. Voilà. Et un shears. Très bien, nous avons ça.
On va aller prendre les solariums qu'on fait fondre tranquillement. J'en ai 7, c'est déjà très bien. Vu qu'il m'en faut 6 pour le faire. Je crois 6 ou 5, je sais plus, 5. Et est-ce que j'ai tout? Ben non, j'ai pas le machine caisse. Alors, le machine châssis, je l'ai posé, je l'ai posé. Je l'ai posé ici. Voilà. Donc là, normalement, je devrais tout avoir. Hop. Ça ne marche pas. Est-ce que c'est la tête? C'est peut-être pas la bonne tête. Donc, on va le faire comme ça. Hop. Iron. On a dit iron. On a dit shears. Et le machine châssis. Voilà, ouais, c'est le truc qui bug. C'est pas grave, le craft qui bug. Nous avons notre slice and splice. Ouais, très bien. On l'a, quoi. C'est assez relou à dire, hein, ce truc. On va le mettre ici. Hop. Ouais, si tu veux, tu tombes. Je m'en fous. Hop. Ça va me servir de marche. On le pose là. Et voilà, il est en train de monter, donc tranquille. Ah, ça m'a pas mis mes... D'accord. Je croyais que ça les aurait mis dessus. Bon, bah c'est pas grave, on va en refaire. Donc il me faut encore une hache. Hop. Et... Hop, des shears. Voilà. Donc normalement, ça aurait dû les mettre, hein. Je sais pas pourquoi ça les a pas mis. Mais voilà, et la hache ici. Bon, malheureusement pour l'instant, nous sommes obligés de les récupérer comme ça, mais ça va venir. Hein. Donc, le crafter qui se fait donc avec un Z Logic Controller qui se fait avec, hop hop hop, une tête de zombie, deux solariums, redstone et un silicone qui se fait en fondant du Certus Quartz. Bon, bah, c'est parfait, on va prendre ça, hop. Il va me falloir du Certus Quartz pour le faire fondre. Certus Quartz, Certus Quartz, Certus Quartz, Quartz, Quartz. Il est là, il est là, il est là. Hop, on met ça ici dans le four. Hein. Bon, ça marche très bien comme ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il me fait? Des glaces? Pourquoi il m'a fait des glaces? Ah, la soul sand, quand tu la fais fondre, ça fait des glaces. D'accord. La tête de zombie. Donc, la tête de zombie, on va aller la chercher directement. Je sais pas si je peux la récupérer avec le Crescent Hammer. Donc ici, je dois avoir... Ah là, regardez. Une tête de zombie, on la prend directement de ma collection. Non, je peux pas la récupérer, c'est pas grave. Voilà. Nous avons la tête de zombie. Oh, ma collection. Non. Très dur de se séparer d'un objet de collection, hein. Hop, le crafter. Donc on avait dit, hop... Le silicone, je dois l'avoir. Du solarium, j'en ai. La redstone, parfait. J'ai tout ce qu'il faut. Hop. Voilà. Alors, solarium, on a dit. La tête de zombie. Et il me manque le silicone. Voilà, parfait. Le silicone et la redstone ici. Et ça arrive. Bon, en soi, on peut faire comme ça. Hop. Mais c'est déjà fini, voilà, ça va un peu plus vite. Et nous avons notre Z Logic Controller. Lui, on va le remettre ici. Voilà. Qui va me permettre de faire le crafter. Donc normalement, voilà, j'ai tout, hein. Il me faut une table de craft que je n'ai pas. Ah, c'est la table de craft qui va me manquer. Bah tiens, pourquoi pas? La machine châssis, j'ai le fer, j'ai la table de craft, j'ai pas. Bah ouais. Et ouais, les gars, la table de craft. Donc ça c'est de la terre, je peux pas faire une table de craft en terre hein, normalement. J'ai pas de bois, t'es sérieux là? Oh relou. Tac. Ah ça en donne 3 seulement, merde. Je ne savais pas, tiens. Hop. Voilà, nous avons notre table de craft. Voilà, me faites pas chier, j'ai ma table de craft. Bon, là, on a fait le craft le plus dur, hein, la table de craft, évidemment. Qu'est-ce que c'était dur? Et donc, hop, hop, et voilà, j'ai tout, j'ai le crafter, c'est magnifique, c'est parfait. Évidemment, il fait nuit. Allez, on va aller dormir parce que la nuit, ça pousse pas.
Il faut que ça pousse, hein. Wow, le mec il fait un bruit de zombie quand il dort. Alors, on va juste récupérer un peu de yellowite. Voilà, parfait. J'en ai 9, c'est nickel, c'est ce qu'il me faut. Tac, allez plus vite. Plus vite, c'est loin quand même, hein. Et on va poser le crafter. Alors, le crafter, on va le poser en dessous parce que de toute façon, c'est des trucs que je ne vais plus utiliser. Donc, j'ai pas vraiment besoin de. On va le poser là, hein, je pense que ça suffit. Voilà, ici c'est très bien. Donc vous voyez qu'il est en train de se charger en énergie. Alors comment ça marche? Eh bien ça marche en posant, en fait de ce côté, vous avez le pattern. Donc ici vous posez par exemple ça, et vous voyez que ça fait du yellowite or. Et donc maintenant... Une fois que le crafter obtient ses 9 yellowite, vous voilà, ça craft directement la yellowite or. Pas besoin que ce soit empilé comme ici, hein. Juste il faut qu'il y ait le matériel dans les cases. Le seul problème, c'est que bah, les yellowite or, c'est pas ça qu'il me faut, hein. Moi, il me faut des yellowite. Donc, on va devoir tout transférer encore vers un four. Mais pas n'importe quel four, hein. Je vais faire directement un alloy smelter, ça va être beaucoup plus pratique. Alors par contre, voilà, hop, on relie ça ici. D'ailleurs, je fais n'importe quoi, c'est pas beau comme ça, voilà. Oh, allez, allez, enlève-toi. Bah ça veut pas. Ah si, ça s'est enlevé. Bon, ça m'a gavé. On va casser ça comme ça. Tant pis, j'aime pas le faire, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, on va le mettre ici, c'est mieux. Voilà. Et ici. Le seul souci, c'est qu'ici, voilà. Ici, hop, il va falloir mettre un basic item au cas où, hein. Avec... Ah, j'ai plus... Bah, évidemment, j'ai plus d'essence. Donc, ça ne va pas marcher. Là, il y en a un. Hop. Bon, normalement, ça devrait marcher, hein. Ça devrait quand même aller dedans. Et c'est pas allé dedans? Tiens. Ah non, ça l'a jeté carrément. Bah ok, si tu veux. Du coup, on va s'en servir en basique. Ah bah oui, je suis en extract, évidemment. Donc, insert. Normalement, j'en ai pas besoin. Mais bon, je vais le faire par précaution. Voilà. Et donc, on va poser ça comme ça. Voilà. Très bien. Et ensuite, ça, nous allons le relier à un nouvel alloy smelter que je n'ai pas. Et est-ce que je... Ah, j'ai plus de machine châssis. Donc, je vais refaire une machine châssis. Hop. Alloy smelter. Voilà. Hop. Donc, la machine châssis, c'est un basique. Que j'ai ici, ou puis c'est le seul qui me restait, oh là là. Ça et du fer. Voilà, hop. Hop, hop. Donc on a notre machine châssis, il me faut de la cobble. La cobble, elle est là. Hop. Le four, 1, 2, 3. Voilà, hop, 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 hop. Le chaudron, évidemment, ça irait plus vite si je le faisais à la main, mais c'est pas grave. Et voilà, j'ai tout. Hop là, l'alloy smelter. Bon, voilà, hein, c'est allé relativement vite une fois qu'on connaît le craft. Bon, épisode un petit peu plus long, mais bon, je tiens à finir quand même. Je vais pas vous laisser en plan alors que c'est déjà bientôt terminé. Donc ici, hop. On insère, ici on extracte 100 redstone. Et donc vous voyez que ici ça extrait le yellowite. Ah tiens, pourquoi ça l'extrait un par un? Non, ça l'extrait pas un par un, bizarre. Ah non, c'est parce que ça en extrait 4 et que ça en cuit 3, voilà. Et donc ici ça les cuit 3 par 3. D'ailleurs, l'octadis, je vais le mettre ici. Parce que de celui-là, je ne dois plus en avoir beaucoup besoin pour l'instant.
Hop, l'octadis. Et voilà, ça au moins, ça ira plus vite. Et à partir de là, il nous reste plus qu'à relier. Hop. Donc là, là. Ouais, comme ça, c'est bon. Tac. Ici. Hop. Et là, par contre, on va faire. Hop, hop, hop. Et. Hop. On change ici en insert. Là-bas, en extract sans redstone. Et ici, bah, ça va augmenter tout seul. Et ça va utiliser la yellowry tranquillement. Donc il y a assez, hein, il y a largement assez. Ça va pousser tranquillement. Ça va. Regardez, ça continue de pousser. Hop. Voilà, c'est magnifique. Allez, allez, casse-le. Pim! Ça va dans le planteur et dans le crafter. Une fois qu'il y en a 9, hop, ça va dans le four, ça fait fondre. Une fois que c'est dans le four, ça et que ça a fondu, ça va directement ici. Et une fois ici, et bah, tout simplement, ça va dans le Big Reactor pour créer de l'énergie. Donc voilà, en continu. On crée de l'énergie en continu. Y a pas photo, c'est le meilleur moyen, hein. Et ben merci de m'avoir suivi hein, pendant ces 31 minutes, 32, je sais plus. Ben je vous remercie, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé à automatiser Big Reactor. Merci à tous, bisous, bye bye.